c'est super facile d'ouvrir une boutique de bonbons. Tu peux même en ouvrir une dans ton propre appart. L'argent, l'argent, l'argent. Pourquoi Candace en a jamais dans son portefeuille? Et Martin, lui, s'en fiche. La seule chose qui compte pour lui, c'est les bonbons. Tu veux des bonbons, Candace? Serre-toi. Martin, t'es un génie! Voilà ce qu'on va faire. On va ouvrir un magasin de bonbons. Juste ici. Martin, t'as pas intérêt à me cacher de bonbons. Mais j'ai rien, Candace. Je te crois pas. Tout est pour le magasin, Martin. Bon, dans ce cas-là, tiens. Je te laisse tout pour notre futur business. On a du pain sur la planche. Alors c'est parti. On aura besoin d'une feuille de carton épaisse. Trace une bande au niveau de chaque coin. Découpe-les et replie les bords. Et maintenant, assemble la boîte. Marque les plis en t'aidant d'une règle. Et colle les coins. La pièce principale est presque terminée. Dessine un carré sur un morceau de carton. Découpe-le. C'était facile. Et maintenant? Oh, j'ai une idée! On aura besoin de bocaux de céréales et de pâtes. Vide-les. Trois bocaux devraient suffire. Maintenant, fais des trous dans les couvercles. Et voilà! Revisse les couvercles. Fais aussi des trous dans la boîte. Assure-toi qu'ils soient alignés avec les couvercles. Et maintenant, la partie la plus amusante. Mets les bocaux dans la boîte et ajoute le carré découpé au-dessus. Les bonbons sortiront tout seuls. On a besoin d'un mécanisme spécial. Découpe une autre pièce en carton. Puis assemble une boîte avec des trous. Il faut qu'il y en ait au fond et sur les côtés. On va tout assembler. Mais pour faire le bouton, on va utiliser un tube en carton. Fais un trou dedans et fais un bouton au bout. Décore-le avec une image attractive. Les clients doivent savoir ce qu'ils achètent. Mets les boutons en place et connecte le mécanisme avec l'autre boîte. Super, c'est terminé! Remplis maintenant les bocaux de bonbons. Mais Candace n'est pas encore satisfaite. Comme tu veux, sœurette. Candace a aussi beaucoup de choses à faire. On va mettre les bonbons dans les bocaux. Adieu le régime! Candace, j'ai fini! Qu'est-ce que t'en penses? Hé, c'est pas juste! On ne mange pas les bonbons, on les vend! Oh, ça va, j'en ai mangé qu'un! Les chips aussi ont besoin d'un distributeur sympa. Candace va en fabriquer un. Assemble une boîte en carton avec des trous sur les côtés. Pose un couvercle en carton avec des fentes au-dessus. Maintenant, fais les boutons. Colle des cercles sur des rectangles. C'est fait! Ils correspondent tous à un goût. Glisse le carton dans les fentes. La machine est prête. On n'a plus qu'à installer les boîtes de chips. Waouh! Qui aurait pensé que ce serait si facile à faire? Il reste plus qu'à la peindre et la machine est prête! Les distributeurs de chips et de bonbons peuvent aller directement sur le comptoir. Et pour que cette zone attire l'attention des clients, on doit la décorer un peu. Waouh, c'est trop mignon! Et les machines fonctionnent à merveille! Suffit de tourner le bouton et le bonbon est dans la poche! Ou dans le gobelet! Venez vous servir! Oh, ça a l'air trop bon! Je vais prendre un peu de tout. Régale-toi, Émilie! J'adore les M&M's. Je vais prendre ceux aux cacahuètes, enrobés au chocolat. J'adore! Tu veux des chips, Lay? Si t'arrives pas à choisir, prends un peu de tout. C'est trop cool de mélanger. Les clients sont contents. Et Martin compte déjà leur premier gain. On peut pas gagner beaucoup d'argent avec des bonbons et des chips. Tu penses à ce que je pense? Attention aux souffleurs de feuilles! Martin, sois sérieux pour une fois! On doit se mettre au travail. Attache le souffleur de feuilles sur ses crochets. Fixe-le avec des serflex. Et maintenant, prends des bouteilles en plastique. Coupe toutes les parties superflues. Tu vas en avoir besoin de beaucoup pour faire un labyrinthe entier sur le mur. Beau travail, sœurette! Alors, on allume notre machine à pop-corn? Ça marche! Et oublie pas la déco! Même la déco est appétissante! Un flux d'air pousse le pop-corn dans le tube. Oublie pas de mettre un seau au bout.
C'est génial! Maintenant, c'est l'heure de compter l'argent. Voilà notre machine à popcorn. Wow. Tu veux découvrir de plus près la nanotechnologie alimentaire? Oh waouh, cette confiserie est vraiment high-tech. Wow. Je me demande si on peut utiliser ces vieilles roues. Mais ouais! On va faire des stands avec. Fixe les roues sur un tuyau en plastique. Et colle-les ensemble. Martin est un vrai pro. Il a déjà fait un support en bois avec des pieds. On va attacher les roues dessus. Waouh, ça tourne super bien! Où est-ce qu'on va exposer les pâtisseries? Ce support en carton fera parfaitement l'affaire. On va juste le coller sur les roues. Et pour en vendre plus, on va réaliser d'autres supports pareils. Martin a fait du bon boulot! On peut l'installer. Candace a sa machine pour le nappage. C'est un must pour toutes les pâtisseries qu'il propose. Venez chercher vos donuts et vos gâteaux. Et n'oubliez pas de choisir une sauce. Vous inquiétez pas, il y en aura assez pour tout le monde. Confiture, vermicelle en sucre ou chantilly? Le choix est difficile. On a envie de tout goûter. Les ventes explosent aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Martin n'y pense même pas. Et si quelqu'un voulait boire un chocolat chaud? Notre magasin doit proposer un max de choix. Alors, on va faire une machine à chocolat chaud. On doit découper un morceau de carton comme celui-ci. Assemble-le en le pliant le long des lignes. Colle chaque partie pour que la machine soit solide. Plie les parties à gauche et à droite vers le milieu. Et ajoute le couvercle. La machine à chocolat chaud est presque prête. Et ça, ce sera le levier pour la boisson. Martin, regarde! T'es sûr que ça va marcher, Candace? Mais ouais, grave! Mais il faut que ce soit étanche. Ça va être difficile. Mais j'ai la solution! Fais des trous dans un bouchon de bouteille. Et insère des tubes. Fixe un autre bouchon au bout d'un des tubes. Recouvre-le de colle pour qu'il soit hermétique. Et maintenant, visse le bouchon. Martin a déjà une bouteille de chocolat chaud. Maintenant, visse le deuxième bouchon sur une bouteille vide. Ça créera de la pression. Et verse le chocolat chaud dans une tasse. Assemble la machine et teste-la. Passe le tube dans le levier et cache la bouteille avec la boisson dans le réservoir supérieur de la machine. Je vais prendre un chocolat chaud, Martin. Super, ça marche! Maintenant, on doit peindre la machine. Un simple chocolat chaud, c'est trop nul! On va ajouter des toppings. Comme ça, le client sera content. Je vais prendre un double chocolat chaud avec des chamallows. C'est parti, Miss! Régale-toi! On a fait déjà plein de bénéfices! Yes! Ça manque clairement de barbe à papa dans le magasin. Une bassine en plastique et une perceuse vont résoudre ce problème en un rien de temps. On aura aussi besoin du couvercle métallique d'un bocal. Fais un trou dans la bassine. Comme ça. Découpe le milieu du couvercle en plastique. Insère la perceuse, la buse ronde et le couvercle. En quelques minutes, la machine est prête. Pose le couvercle en plastique dessus. Et tu peux aussi faire un chariot. On va mettre la machine à barbe à papa dedans. Oublie pas la déco. Et maintenant, on peut faire nos premières barbes à papa. Qui en veut? Moi! C'est trop bon! Si sucré! Candace a une autre idée brillante. On va faire un jeu de tir. Découpe une pièce comme celle-ci dans du carton. Découpe des fenêtres de plusieurs tailles au milieu. Maintenant, assemble la boîte. On a notre base. Maintenant, colle les pièces ensemble et peins-la. Martin, regarde ce que j'ai fait! Dans chaque fenêtre, il y a un trophée délicieux! Et pour le gagner, suffit de le faire tomber! Sauf qu'il manque un accessoire à Candace. Martin va l'aider. Il va faire un super lance-pierre. Mets un support en bois et un ressort dans un tube en plastique. Tu auras aussi besoin d'un petit levier et d'un dispositif de verrouillage. Et pour les munitions? C'est pas mal comme munitions, non? Super, Candace! Tout ce que t'as à faire pour tirer, c'est de tirer sur le levier. Où est-ce qu'on va installer ce jeu gourmand? Dans l'entrée, bien sûr. Tentez votre chance, mesdames et messieurs. Je peux commencer? Bien sûr, Mélissa, vas-y! C'est pas si facile de faire tomber ces sucreries. Mais c'est une bonne nouvelle pour Martin et Candace.
les clients vont devoir payer pour chaque essai. Mais tout le monde finira bien par avoir de la chance. Bingo! Wow! Candace, ce jeu de tir marche du tonnerre! Tous les sodas sont délicieux. Et si on les mélangeait? Martin a trouvé un plan de génie. On aura besoin de deux robinets et de joints de tuyaux. Maintenant, construis un système complet et raccorde les bouteilles au robinet. C'est pas compliqué du tout. Et pour s'assurer que ça marche, on va prendre un support en bois et installer un robinet avec une valve dessus. Place le distributeur de boissons au-dessus. Qui veut goûter à notre super soda? C'est à la fois super rafraîchissant et vraiment unique. C'est la meilleure boisson du monde. Le magasin de bonbons a été à la hauteur de nos attentes. On est riche, Martin! Peu importe vraiment ce que tu vends, tant que c'est fait avec de la créativité. Quelles idées gourmandes t'as préférées? Dis-le nous en commentaire. T'as aimé notre vidéo? Alors lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Ne manque pas les nouvelles vidéos passionnantes de Troom Troom.